Les fans américains tournent le dos au duc et à la duchesse de Sussex, et ils ont été avertis que leur attrait en chute libre pourrait faire dérailler leurs ambitions hollywoodiennes. Cela vient alors qu'un sondage Sunday Express révèle aujourd'hui que près des trois quarts des Britanniques pensent que Prince William ne devrait pas aider à ramener Harry dans le giron familial. Le sondage, réalisé par la société d'études de marché Techno UK, qui a interrogé 1633 adultes, a demandé, le prince William devrait-il aider à ramener le prince Harry dans le giron familial? Point. Les réponses étaient, oui 18%, non 73%, je ne sais pas, 9%. Ces revers font suite à une semaine au cours de laquelle le couple a été publiquement attaqué par l'ancien président Trump ainsi que par le père et la demi-sœur de Meghan, et accusé de partager une dépendance mutuelle au drame dans un nouveau livre. Hier, un cadre supérieur de la production d'un studio de cinéma a déclaré, ils doivent être conscients que toute cette publicité négative leur fera non seulement perdre des fans, mais dissuadera également les gens de vouloir regarder tout ce qu'ils produisent. Les gens ici regardent tous leurs drames privés et familiaux se dérouler comme des épisodes d'une télé-réalité Kardashian. Faut-il s'étonner que leur cachet perde rapidement de son lustre? La popularité du couple royal aux États-Unis était déjà en déclin avant que l'explosif The Palace Papers Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil de l'ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, Tina Brown, ne soit publié la semaine dernière. Madame Brown, dont le livre cite un assistant principal du palais décrivant Harry et Meghan comme ayant une « dépendance mutuelle au drame », a déclaré dans une interview à un magazine que lorsqu'ils sont venus à Hollywood, ils ont tous deux complètement sous-estimé ce que cela allait être sans la plateforme du palais. Meghan n'a pas vraiment de marque, on sent qu'elle saisit le Twitter bienveillant du moment. Vaccination, Ukraine, droits des femmes, mon 40e anniversaire, ayant un programme de mentorat. Rien ne va vraiment nulle part pour Meghan, dit-elle. Et tout le problème avec les offres.